132 km et j'ai toujours de l'essence, j'y crois moyen celle-là. J'y crois fortement moyen. Je sais pas ce que ça va être ce bordel, mais je sens qu'on va tomber en panne. Eh hey, mais il pleut en plus. Non mais c'est quoi ce bordel? Oh bordel, c'est pas de la petite pluie hein. Eh hey, bé, c'est la piscine. Derby sur le bon coin, on va acheter une voiture sans permis. Plus tu vas vite, plus tu peux esquiver les gouttes. Oui. Depuis quand il y a des dodanes là? C'est quoi ce bordel? Oh, comment j'ai glissé de l'arrière. Salut les mecs, c'est Léo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas là. Moi ça va pas du tout. Habitué à ce qu'il y ait des dodanes ici, moi. Eh ouais, bah faut s'en rappeler qu'il y a des dodanes ici. Hein. Eh, vous êtes trempés. Moi aussi je suis trempé là. Ça va plus. Attendez, je vous essuie. Si vous permettez que je vous essuie. Là j'accélère. L'arrière il part, frérot, comme si sa vie en dépendait. Seuls ceux qui savent qu'ils ont une moto, les gouttes en moto, laisse tomber. T'as l'impression que tu te prends des petits cailloux. Ça fait trop mal sa mère quand il fait froid. Hop les. C'est là où mamie elle a failli m'envoyer au cimetière. Oh c'est relou ce temps, frère. Ah il met pas de bonne humeur hein. Et la derby elle burn, frérot. Par contre maintenant les ronds-points on fait gaffe hein. Eh, depuis que la dernière fois je me suis fait peur en glissant là, on va aller prendre mollo mollo les ronds-points hein. Wesh, lui il allait chercher son PQ pour les 3 prochains mois, frérot. Là vous êtes tranquille chez vous, dans votre canapé, petit coca, t'as capté. Regarde mon pied. Ouah, comment c'est glissant ça aussi. Appel reçu. Je t'ai pas appelé mon ref. Non vas-y, par contre je me le tape pas jusqu'au bout. Oh putain il est rouge. En fait, je suis le seul trisomique qui a regardé l'application météo, hein, mais qui l'a pas suivi. Il y avait une application météo, il me disait « Ouais, il va pleuvoir et tout, repart dans 14 minutes. » Et je les ai pas écoutés. Papi, pam, pam, ah là, il pleut plus, tu vois. Donc si je les avais écoutés, j'aurais pas été mouillé, sa mère. Tu contrôles rien quand ça glisse. Sinon, ça sort, les mecs, là. Ça fait quoi, samedi soir, là? Ça allait se la mettre ou quoi? Qui a pêché un peu une gadie là? Mais allez, toi t'es encore rouge toi. Mais non, mais toi, à chaque fois que je viens, tu te mets en rouge. Tu le fais exprès. Vas-y, vas-y, tu sais quoi, je te grille, rien à foutre. Non, je rigole quand même. Ah! Là, c'est la descente, j'y vais fond de charge, je prends 140. Oh, en plus, il me reste une vitesse, mais je peux prendre 2,90 ici, frère. Origine! Oh, les mecs, ça vous dit, je vous fais des vidéos où je fais des destinations et j'essaye de mettre des minutes au GPS. Ah ouais, mais attends, si je fais ça, ça veut dire que je suis sûr d'être en excès de vitesse. Ça veut dire, la police, elle peut être sur mes vidéos, elle se dit, tiens, lui, il fait des vidéos comme ça. Bah, bam, bam, bam. J'avoue, j'y ai pas réfléchi à ça. Vas-y, sa mère. 50, on réduit. Eh, je suis à 140 km. J'ai même pas la réserve encore. C'est quoi cette moto, frère? Je peux faire 2000 km. Je rigole, le truc de la réserve est cassé d'un coup net, elle se coupe. 1,73. Non, tu. 1,73. 1,73 de 98. Mais prends mon cul, rentre dedans. Et baise-moi, frère. Non, mais c'est quoi 1,73, frérot? Mes jambes. Je passe ma main, j'ai des. Quand tu sens que ta jambe, elle est mouillée, elle est froide. Moi, je vous l'ai dit, je suis le seul putain de blaireau si j'avais écouté leur application de mort là. Je me serais pas pris le nuage de pluie, je vous jure, j'ai le seum. Je me suis pris un nuage de pluie pour rien. Est-ce qu'il pleut là? Non. Putain, je suis une salope hein. Nanana, prends-toi, j'ai la priorité hein. Bah oui. Ah, j'y vais doucement hein. Moi j'en ai rien à branler hein. J'ai pas envie de finir la gueule à terre hein. Je l'ai vu au poteau Kips, maintenant le bail c'est Star Wars le type. Il peut aller mettre des chassés avec son truc, sa botte magique là. Oh merde, il dit le stop. Mais je vais pas l'avoir. Oh putain, je suis pas trop fort. Je suis trop fort. Je suis clairement trop fort. Faut vraiment avoir la déter là pour y aller quand il pleut comme ça. Pour ça, quand j'aurai ma caisse les mecs, bah, je vous dis même pas ce qu'on va faire. Ça va mettre des grosses lignes groupennes. Mon pote, elle va faire des drifts. Première, elle va patiner. Allez, nous revoilà. Tu vois, c'est ça que je vais avoir. Je vais m'acheter ça, moi. Un petit 4 comme ça, là. Nickel. Eh bah, y'a son père, frérot. Il fait pas beau, y'a personne qui vient. Ah, bah, la réserve qui s'affiche. La merde. Ah, ça, c'est la merde. Eh bah, elle s'est affichée, la pute. Ça veut dire qu'il va falloir que je paye celui à 1,73. Ah, ouais, je suis vraiment une salope, moi. Non, regardez les mecs qui m'arrivent. Elle est en réserve. Mais je pense que c'est parce qu'elle était penchée. Je vais montrer comment on remet de l'essence dans sa bécane. Déjà on secoue. Non, il y a une réserve normalement. Ta mère, j'ai plus d'essence. Non, je vais pas pousser comme ça jusqu'à la station. C'est bon. On l'arrête plus. Allez, s'il te plaît, tiens jusqu'à la station essence, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ah ouais, non. Elle suit pas du tout là. Si je m'arrête, elle redémarre. Si elle se coupe, elle redémarrera pas. Allez,
En même temps, 141 km les mecs. T'as une autonomie de voiture avec ça. Bon, ce qui est chiant, c'est que je vais devoir payer mon plein à 1,74. Alors que la semaine dernière, je pouvais le taper à 1,61. Donc là, on va lui mettre 1 litre, frérot. Expérience sociale, peut-on rentrer avec 1 litre? Heureusement que j'ai réussi à la faire partir, hein. Elle voulait pas. Hein. Allez, mon ref, s'il te plaît, on se dépêche. Parce que moi, si je m'arrête, je pourrais pas repartir. Bon, ça va, la tempête s'est calmée. J'avais bien raison, je suis passé juste dans le nuage comme un blaireau. Ça se trouve, je peux même tenter de rentrer jusque chez moi comme ça. C'est beau, ça. Regardez-moi ça, un Q3, les dernières phases. Et en vrai, je me chauffe à rentrer chez moi comme ça. Non, vas-y, on va pas tenter le diable. Hein. Wesh, 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 wesh. Ouais, non, mais les gens, gros, faut les pousser, on est à 16. Arrête un peu. Bon, on va les remettre un petit peu de judard dans le bazar. J'espère que ma carte, elle va passer, parce que la dernière fois, elle est pas passée. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a acheté? Ouais, je sens bizarre les gens ici. Je suis pauvre. Allez, s'il te plaît, code bon, yes. Let's go. Let's go, y'a de l'oseille. Ouais, je fais les mecs genre en mode y'a pas d'oseille. Je suis blindé, vous êtes con quoi, je suis millionnaire. C'est pour ça que je vais à Netto. Je peux rentrer avec 1 litre. Vas-y, tu sais quoi, on va mettre 2 euros. 1 litre 15. Ah, ça, tu vois, les fins de mois sont compliquées. C'est bon, 1 litre, frère, je fais 100 km. En fait, la stratégie, c'est de mettre 1 litre pour aller jusqu'à la prochaine station qui est sur le périple. Et comme elle est sur le périple, eh ben, là-bas, on le mettra 10 centimes moins cher. Ah, j'ai les couilles qui grattent, c'est horrible. Je viens vraiment de dire ça en vidéo, là. S'il vous plaît, j'ai pas un prof qui regarde une de mes vidéos. Ah ouais, anecdote. Les mecs, lors de mon conseil... Oh, vas-y, un vrai motard. Non, c'est un scooter. Lors de mon conseil de classe, mes professeurs se sont amusés à regarder mes vidéos. Est-ce que c'est pas génial ça? Vous avez ça vous? Du coup maintenant je suis fiché, j'ai réussi à pas le cacher mais pas beaucoup de monde était au courant. Pendant 2 ans quand même hein. Et c'est non mon année de terminale qu'ils découvrent. Bon je m'en tape tu vois, tant mieux. Au moins ils voient que si je fais pas mes devoirs bah c'est parce que j'étais en tournage, t'as capté. C'est ça, fait un peu le mec, t'es là Léo Souken? Non je suis en tournage avec Spielberg, là on tourne le dernier Spider-Man. Elle est vraiment dégueulasse, faut vraiment que je pense à aller la laver hein. Ouais je vais là avec ma 50, je fais même pas 1 mètre. Putain ça, et elle fait 14 mètres, je suis sûr derrière c'est un château frère. Bon allez la petite mission, on va aller mettre de l'essence. En Bentley, je voulais vivre ma best life. Ah vous vouliez pas de concert, ah merde. J'ai vu les mecs que dans une des dernières vidéos quand j'ai demandé ce que vous aviez eu pour Noël, il y en a pas mal qui ont eu des bécanes. Et ben je suis content pour vous les mecs, faites attention sur la route. Surtout quand c'est l'hiver, ça glisse, c'est trompeur. Il y en a ils disent ouais le sol est mouillé mais accélère ça fait que dalle. Eh frère, oh, si tu chasses de l'arrière t'es mort. Petit clignotard. Tu sais le mec là il est dans ses pensées et ben il tape le scénique. Allez, allez René, allez on y va, le 200 mètres pour René, let's go René. Vas-y vas-y, attends, on veut suivre la course de René. Vas-y vas-y René. Et let's go, youpi. Vas-y, vas-y. Faut se rassasier là, on a couru 10 mètres, faut prendre notre petite 8-6. Vas-y René, prends ta 8-6. Ah non, il prend le masque pour aller au bar. Nickel. Ça va René, t'as fait toute ta vie, je l'espère. Tu peux prendre du bon temps. Oui. Non, gros. Oh les bâtards. Wesh, lui, il me dépasse, il sait pas que j'ai une derby. Eh, il sait pas que j'ai une derby, moi je m'énerve, on fait la course, y'a aucun souci. Non mais moi je regarde les buggy, toi t'es là, tu veux me faire la course avec ton MBK, frérot. T'es en kit origine. Si tu veux défier la derby, frérot, y'a aucun souci avec ça. Je vais me faire un malin plaisir, frérot, d'aller le dépasser méchamment. Mais putain, ils se sont mis trop bien, gros. Ils ont fait dimanche matin, session buggy. Et après, ils se prennent une petite pinte. Et après, son yerbe. Ah, il s'en va. Vas-y, t'as vu, il renonce à la course. Mais allez, arrête de me faire le livreur de sushi, là. Il savait pas quoi il a à faire. Mais vraiment, il a sous-estimé la derby. Y'a de la chance que je ne regardais que pourquoi du Vren. Je sais pas. T'as vu Gasper? Non. 1,73. Je suis une salope. C'est moi ou... Ah ou... Bon, on va mettre 1 litre. On va mettre 2 balles. Il y a une semaine, là, je suis passé. Regardez la vidéo d'il y a 6 jours. Hein. C'était à 1,61. En vrai, pour ceux qui payent pas leur plein. Pour eux, c'est rien, l'essence, il augmente. Moi, quand j'étais petit, je dis, bah, y a quoi le problème avec l'essence? Il augmente, mais t'as toujours de l'essence. Mais frérot, avant, pendant le confinement, t'as l'époque, un plein... Payer quoi? 7 euros. Un plein. Là, un plein, si je mets un plein, ça fait genre 11 balles. C'est combien chez vous là? Je n'avais pas moyen de vous m'envoyer des bidons. Appareil hors service. En service, hors service. Pop, hop. Putain, je suis loin sa mère. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. WW vient de l'acheter. Félicitations, frérot. Et c'est parti, prends mon oseille, toi. Insérez votre carte. Regardez comment c'est beau. Oh, ta gueule, toi. Qu'est-ce que tu veux? Confidentiel 10, 8, 36. Maximum 189 euros.
Je t'ai cru j'avais un géo carré ou quoi. Allez. Allez, bois petite salle. 2 euros qu'on met. 2 euros qu'on va mettre. Bon, allez. On est gentil, 2,50€. Bois. Allez, on met 3 euros. Putain. Allez, on met 3. Allez, on met 4 euros. Putain. Oh non. Bon, allez, on met 4,50€. Ah, 4,50€. Ça, c'est un jeu qu'il faut pas faire. Attends, on prend la dernière goutte. C'est quand tu pisses, s'en fout partout. Ouais, faut pas faire ça comme jeu. J'étais parti pour mettre 2 balles. Je me retrouve à mettre 4,50€ pour 2 litres. Supermarché vous remercie d'avoir dépensé notre essence super chère. Connasse. Putain, pour le prix qu'on paye l'essence, elle pourrait laver ma bécane. Allez, mettez des pouces bleus, les mecs. Faut rentabiliser là. Je suis sûr qu'il y a des jours où l'essence est moins chère que d'autres. Mais comme je suis un blaireau, je le sais pas. Du coup, je peux pas en profiter. Allez, on va noter les caisses. Je prends pas. Je prends, sympa, petit 208. Je prends, petite Twingo. Ah, je prends pas. Ça, c'est rien. Ouais, bof. Hein. C8 peut-être. Et lui, je lui refais l'arrière. Frérot, tes feux, il y en a qu'un qui marche là sur deux, non? Ou c'est moi le bigleux? Putain, là, j'ai envie de me taper au Buffalo là. Tu tapes une petite. Si c'était caché façon boucher saignant. Maman avec des frites, un fusti. Oh là 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 là. Il est pas dans le truc des. Oh. On se réveille. On lâche le téléphone. Il y a de la chance que moi, j'ai plus de klaxon. Eh, la derby, elle a voulu partir, sa mère. Comme sa vie en dépendait, là. Mais oh, calme-toi. Je lui ai remis du nouveau jus, frérot. Et elle s'est excitée d'un coup, là. Ah ouais, c'est ça, t'es au feu rouge, frérot. Oh, sa mère, c'est beau, ça. Oh, c'est beau. Je peux pas faire la course. Putain, ouais, c'est vrai, faut que je répare le klaxon. Une fois, je vous jure, les mecs, hein, je viens là. Parce que ici, je tartine sévère hein, tout le temps. Hein. Et là, je dis, imagine un jour, il y a les flics là. Toute la brigade de gendarmerie en train de laver leur voiture, là, leur petit kangou fou. Eh, j'étais pas bien, mon mal regardé. Et une fois, ah ouais, j'étais pas en vidéo au jour là. C'est un soir où je vais. Je devais aller faire un truc. Tu vois, un truc un peu secret. Et je vois, j'entre dans une genre de ville ou je sais pas quoi. Je vois le panneau. Et je dis ce panneau là, frérot. Je l'ai jamais lu. Contrôle radar fréquent. Je le lis. Je me dis, putain, mais imagine un jour. Parce que je tartine toujours ici. Imagine un jour, il y a la police. Et je vous jure, les mecs, que j'ai ralenti parce que je me suis dit ça. Oh, c'est un petit été. Bah ouais, c'est pas énervé, je suis con. Du coup, je ralentis. Et je vous jure, les mecs, au tournant, les motards qu'ils étaient là en train d'attendre des mecs. Ah, j'étais mort. Tu vois, des fois t'as des intuitions, il faut les suivre. Je te jure, il faut les suivre. Oh là là, j'étais mort. Je vous jure, quand je les ai vus, je dis putain, mais je suis un génie. Et en plus, comment ils m'ont regardé, genre en mode, t'as vu, ils savaient, ils m'avaient entendu. Mais quand je suis arrivé, moi j'ai freiné juste avant le virage. Je dis, ils se sont dit, putain, bah t'as, on peut rien lui faire à part lui mettre le bruit. Mais vas-y, c'est une 50, frérot. Toutes les 50 font du bruit. Là, j'étais mort. Oh, sa mère. Tous les clignotants sont là, ça va. Léo, comment tu casses tes clignotants? Ah bah je prends des Dodan à 70 et grrr. En fait, tout est dans le déhanché, tu vois. T'arrives là. Hop, petit déhanché. Et pour la montée, pour la descente. T'as vu, c'est un peu comme si t'allais à Zumba ou que t'étais en train de foudroyer une meuf. Toi, tu peux mettre des petits coups de bassin, c'est comme au karting, c'est... Bon, l'accélérer. Eh, vous avez déjà vu là-bas, regardez, je vais vous montrer. Là-bas, c'est le circuit. Alors, mais non, mais il y a des voitures, c'est pas le circuit, là, c'est pas sérieux. Ça, c'est beau, j'aime bien. T'as une belle caisse, toi. Oh sa mère, j'ai cru que mon genou y allait taper. Putain, elle gueule la derby. Putain, je suis vraiment un rouleur du dimanche, moi. J'aime pas quand il fait pas beau pour rouler en bécane. T'en as par tous les temps, il roule, hein, mais moi ça m'énerve. T'es pas à l'aise. Mais par contre, dinguerie. Bon, la marque avec qui je fais ça, frérot, elle est là, elle se branle, elle prend du temps. Mais à ce qui paraît, il y a des problèmes en interne. Mais je vais recevoir ces trucs. Et je vais vous en faire deux vidéos. C'est déjà prévu, c'est déjà planifié. Vous allez kiffer ça, mais avec une offre de ouf. Vous allez dépenser que dalle. Et là, vous allez me remercier, je vous jure. Oh. Ça aussi, ça a des gros moteurs. CLS 350. Tu la ligne de départ, carrément. Personne à droite, personne à gauche. Ah ouais, lui, frérot, il nous a pris l'extérieur du virage. Il n'y avait pas le temps. Eh, merci la zone. Le piston, il en chie sa mère. Moi, bon, sucer les mecs, c'était un peu la même vidéo qu'il y a une semaine. Mais j'ai essayé de prendre des routes différentes et que ça va pas bien passer. Sucer, moi, je vous souhaite bientôt une nouvelle vidéo. Dès que la Mac elle m'a envoyé ce qu'il faut, moi, je fais une nouvelle vidéo. Vous avez bien aimé. Mais en attendant, je peux pas trop sur un bac. Du coup, bon bac et salut les mecs.